Je suis en train ici de saluer tous ceux qui vivent dans la République démocratique de Léopard. Vous avez fou ici, non? Le vendredi. Le frère Olay est allé prêcher. Un frère, il lui dit, hey, frère, yo, évitez que le lieu match. Évitez que le lieu le père est au bêta. Non, il y a un score. Non, il y a un score à match. Non, il y a un match. Au moins, score, il y a un score. Il y a un score. 1-1. C'est ça, non? Si on gagne, il y a un score. Mais si on gagne, ça, il y a un score. Il y a un score. Parce que ce que Dieu m'a communiqué le vendredi, toi tu n'as pas. Mais ce que toi tu as reçu, moi je l'ai aussi. L'information que tu as eue. Parce qu'on m'a dit que le match de léopard, il faut avoir le poison salé. Quelqu'un comme moi, tel que vous voyez là, manquer le rendez-vous avec Dieu pour les choses de rien. Non. Le problème, c'est que je peux rediffuser un match. Mais je ne peux pas rediffuser la grâce que Dieu a répandu ce jour-là. Alléluia. Je ne peux pas. Alléluia. Plusieurs personnes ont des statuts. Mais dans leur maison, il n'y a rien. Il n'y a pas de stèle, il y a d'hôtel. Mais il peut y avoir une statue au-dedans de la personne. Fais attention. Jézabel est une maîtresse de comment ériger l'hôtel dans le chef d'une personne. Nous condamnons des bouddhistes, nous condamnons de tout ce que nous savons qu'ils utilisent quelquefois des statues. Mais nous ne savons pas que dans les églises des réveils, il y a des personnes qui ont aussi des statues. Et ça, c'est la responsabilité de Jésus. Jézabel. Il vous égare. Il vous détruit. Vous comprenez ce que je dis?